Salut, salut! Alors aujourd'hui, je vais changer un petit peu et je vais vous faire un tag. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag. C'est vrai que j'aime bien faire les tags. Je vois beaucoup de youtubeuses qui font des tags et je me suis dit pourquoi pas pour changer un petit peu et pour vous parler un petit peu de moi. Donc aujourd'hui, ça sera le tag. Alors, si je regarde ici, c'est que mon téléphone et mes questions sont ici. Donc, ça sera le tag ce qui me rend heureuse. Donc je n'ai pas survolé, je n'ai pas lu les questions ni réfléchi à ce que j'allais vous répondre. J'ai juste survolé les questions vite fait. Donc si je réfléchis, c'est normal. Alors, première question, quel plat simplissime, sauf des pâtes, aimes-tu particulièrement manger? Alors, ça va être difficile parce que j'adore les pâtes, donc surtout les plats, les one pot pasta où vous mélangez tous les ingrédients, c'est très facile à faire et c'est très, très vite fait à faire. Mais on n'a dit pas de pâtes, donc qu'est-ce que c'est le plat simplissime que j'aimerais manger? Alors en fait, j'aime bien manger les frites et les hamburgers maison parce que je ne mange pas de McDo, j'ai horreur de ça. Par contre, le hamburger maison, j'adore ça, si c'est moi qui le fais. Et les frites. Alors les frites, par contre, qui sont très caloriques, je n'en mange pas. Enfin, je n'en mangeais pas beaucoup jusqu'à ce que j'ai découvert les frites au four. C'est-à-dire que à la place de faire cuire les frites dans l'huile, je les fais cuire dans ma machine ActiFry. Donc c'est un bon compromis, celle pour celles qui font un petit régime ou qui ne veulent pas trop grossir. Vous mettez tout simplement les frites dans. Enfin, non, c'est pas ça ce que je voulais dire. C'est tout simplement en fait qu'à la place de manger 400 calories de frites pour 100 grammes, vous mangerez 120 calories de frites pour 100 grammes. C'était la petite astuce du jour en même temps. Si on peut faire une pierre deux coups, tant qu'à faire. Question numéro 2. La chanson qui te met de bonne humeur. Alors, la chanson qui me met de bonne humeur, j'ai pas vraiment de chanson fétiche. Fétiche, oui. Mais j'aime tout ce qui est les chansons ambiancées, du style comme les chanteurs Magic System, etc. Quand vous voyez les clips comme ça, où ils sont vraiment de bonne humeur, heureux, ils vous transmettent leur bonne humeur, c'est vraiment les chansons que j'aime écouter. Après, c'est vrai que j'aime tous les styles de musique, je ne suis pas difficile à un style de musique, mais c'est vraiment les chansons qui mettent l'ambiance, qui me font mettre la bonne humeur pour la journée. Question numéro 3, le moment de la journée que tu préfères. Alors, c'est l'après-midi. Ça, c'est sûr, l'après-midi. Pourquoi? Parce que le matin, déjà, quand on se lève, on a du mal à se lever déjà. Le temps de se mettre dans l'ambiance, le temps de se mettre, de s'habiller, de se préparer, etc. C'est un tas de stress pour moi. Donc, c'est vraiment l'après-midi. Et s'il y a le soleil, c'est encore mieux. Une des jolies sur... Question numéro 4, une des plus jolies surprises que l'on pourrait te faire. Franchement, aucune idée. Aucune idée parce que moi, quand j'ai envie de quelque chose, si je peux me permettre de me l'offrir, je me l'offre. Si j'ai envie de faire quelque chose et que je peux le faire, je le fais. Si je ne peux pas, eh bien, j'y pense pas comme ça, j'ai pas de regret. Mais une surprise que l'on pourrait me faire, aucune idée. Aucune idée parce que moi, dans ma vie, en fait, tous les petits bons moments qu'il y a à prendre, je les prends. Donc, c'est des petits bonheurs tout simples pour moi que je prends avec la vie qui, voilà, qui, avec, voilà, enfin, je sais pas si vous comprenez le sens de ma phrase. Donc, vraiment, une surprise que l'on pourrait me faire, je ne sais pas. Comme j'aime les surprises, ben, des surprises. Ça veut rien dire, mais bon, j'aime les surprises, voilà. Mais après la surprise, vraiment la surprise que l'on pourrait me faire, aucune idée. Après, question numéro 5. Ton vêtement fétiche. Alors là par contre, j'hésite pas, c'est une tunique ou une robe. Tout simplement parce que je suis foutue comme une bouteille d'Orangina. Donc c'est tout simplement pour cacher mes grosses fesses en fait. Donc les tuniques ou les robes, c'est parfait. Ensuite, le petit rien dans une journée qui pourrait te faire sourire. Alors le petit rien qui pourrait faire sourire, c'est vraiment les phrases de mon fils. Parce que quand il m'en sort une, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc c'est-à-dire que quand il me sort ses phrases du haut de ses 8 ans, qu'on dirait un bonhomme de 40 ans qui vous parle, ça me fait vraiment sourire et c'est vraiment les petites choses comme ça qui me font sourire dans la journée. Un de tes souvenirs les plus heureux, bah, tout simplement la naissance de mes enfants. Il n'y a pas de souvenir de plus heureux que j'ai pu passer vraiment plus que ces moments-là. Donc c'est vraiment la naissance de mes enfants.
Question numéro 8. Une fois où tu as pleuré de joie. Quand est-ce que j'ai pleuré de joie? Je ne vais pas vous dire la même chose, la naissance de mes enfants, parce que je ne vais pas me répéter. C'est vraiment le moment de joie où j'ai le plus pleuré, je crois. Sinon, un moment où j'ai pleuré de joie. Eh bien, je sais pas. En fait, je pleure pas facilement de joie. Je suis quelqu'un de très pudique et je cache beaucoup mes sentiments. Je pleure facilement quand quelque chose me touche, une vidéo ou rien qu'un film, je pleure, mais pleurer de joie, pleurer de tristesse, je pleure facilement, mais pleurer de joie, je ne sais pas. Quand est-ce que j'ai pleuré de joie? Aucune idée. Je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que j'ai pleuré de joie. Ensuite, une période de ta vie particulièrement cool. Ah ouais, une période de ma vie comme particulièrement cool. Mais les questions sont vraiment difficiles, franchement. Il y a tellement de moments en fait de joie dans notre vie que comment voulez-vous répondre à une question ou à un moment particulier? Une période de ta vie particulièrement cool. Ben en fait je dirais les années collège, les années où on était jeune et on était encore chez papa et maman. C'était vraiment les années cool où on n'avait rien à faire et on se laissait bercer par nos mamans et elle nous faisait tout. On a été coupés, donc je disais que quand on est chez papa et maman, c'est là que nos mamans nous font tout. Et une fois qu'on a grandi et qu'on s'est casé et qu'on a fait des enfants, et ben c'est fini tout ça. Donc c'est vraiment les périodes les plus cool de ma vie qui me viennent là comme ça en tête. Ensuite, question numéro 10. Un lieu que tu aimes où tu te sens bien, ben c'est chez moi, tout simplement. Je suis quelqu'un de très casanier et j'aime rester chez moi. L'extérieur me fait un peu peur souvent et les gens me font un peu peur. Donc là où je me sens vraiment bien, c'est chez moi et encore mieux dans mon lit et dans ma chambre avec un bon film. Et puis voilà. Le compliment le plus chouette que l'on pourrait te faire. Le compliment le plus chouette. Le compliment le plus chouette, moi j'aime bien quand on me dit que je suis super sympa et que je suis quelqu'un de très... comment on dit? Comment on dit déjà? Quelqu'un de très... Ah! De très sociable, voilà, je cherche. De très sociable, et moi j'aime quand on me dit des choses comme ça, que voilà, je préfère qu'on me dise ça, qu'on me dise que je suis quelqu'un de très... qui fait tout le temps la gueule et qui ne rigole jamais, tout ça, parce que je suis quelqu'un qui rigole tout le temps, qui sourit tout le temps, malgré les apparences, qui est tout le temps là pour déconner. Si vous voulez déconner, c'est avec moi qu'il faut le faire parce que je suis vraiment quelqu'un qui adore la déconnade. Donc voilà, j'aime bien quand on me dise que je suis quelqu'un de marrant et quelqu'un de super quoi, voilà quoi. Ensuite, la personne avec qui tu pourrais rester des heures. Eh bien, la personne avec qui je pourrais rester des heures, c'est ma sœur, tout simplement. Parce que ma sœur, c'est ma meilleure amie. C'est vraiment elle avec qui je me confie le plus et c'est vraiment elle avec qui je passe le plus de temps au téléphone. Pourtant, on n'habite pas très loin, mais bon, on a chacun notre vie de famille. Elle a ses enfants, son mari, moi pareil, j'ai mes enfants. Donc vraiment, c'est elle avec qui je pourrais rester des heures à discuter au téléphone ou des après-midi entières à discuter avec elle. On est deux commères toutes les deux et puis on adore ça, c'est ça le pire. Donc voilà. Et en fait, la question numéro 13, qu'est-ce qui te ferait plaisir actuellement, achat ou autre? Alors, qu'est-ce qui me ferait plaisir actuellement? J'aimerais m'acheter quoi en ce moment? Je sais que je voulais m'acheter quelque chose, mais je m'étais dit que c'était un petit peu cher. Je voulais m'acheter le SteamPod à tout prix le mois dernier, je l'ai acheté. Donc maintenant, mon prochain achat, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui te ferait plaisir actuellement? Achat ou autre, c'est pas obligé un achat en fait. Moi j'aimerais partir en vacances en fait. Ouais. J'aimerais partir en vacances loin d'ici et franchement pendant un mois pour m'aérer l'esprit et puis voilà parce que cet été quand je suis partie en vacances, quand je suis revenue j'étais en dépression parce que j'étais bien en vacances. Donc oui, je pense que ce qui me ferait plaisir actuellement c'est j'ai besoin de vacances et j'ai besoin de penser à d'autres choses que les petits soucis quotidiens. Donc voilà, c'est ce qui me ferait vraiment plaisir en ce moment.
Voilà, donc le tag est terminé. C'était les 13 questions du tag. Je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos pour celles qui veulent faire le tag. Donc je vais citer personne parce que je ne sais pas qui c'est qui voudrait faire le tag. Ça, c'est chacun qui voit qui veut faire quoi comme tag. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous fera plaisir. Si vous voulez que je vous fasse plus de tags, je l'avoue enroué. Dites-moi en commentaire pour voir. Et puis si vous avez des tags à me proposer, n'hésitez pas aussi à me les donner en commentaire. Donc voilà. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye bye.